Kumame Yesoyo, kumame, kumame Jove, kumame, kumama. Tikana yemba yo Yesue, tikana matiso Yesue, mukondina somona yo, na misonanga kondima o, osalinga bola mwe. Pape, olongo linga sonio, maloba ke kusimbate, okonfunde banguna. Oh, tikana yemba yo Yesue, tikana matizo Yesue. Ah, tikana yemba yo Yesue, tikana matizo Yesue. Natombo lelo na yemba yo Yesu nangae. Tikana matiso Yesu, oh tikana yemba yo Jehovah. Tikana matiso Yesu, oh tikana yemba yo Yesu. Tikana matiso Yesu, oh tikana tato la bola muna yo. Tikana matiso Yesu, oh tikana tombola lilo bana yo Yesu. Tikana matiso Yesu, oh tikana yemba yo. Tout est mis. Nous allons prier pour la parole. La Bible nous dit, la terre passera, c'est la parole restera éternellement. Dis à l'Éternel, alobelayo, maloba oyo et pambolayo, pekango la vinayo, tobondele. Nous te disons merci, les dieux de la Bible. Nous te disons merci, le créateur de toutes choses. Nous te disons merci, le Dieu fidèle et véritable. Toi qui as permis, Seigneur, que nous soyons ici en ces lieux. Tu es fidèle et tu es digne. Tu es capable de faire de grandes choses aujourd'hui. C'est une journée ciel ouvert. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta parole. Bénis ton peuple et bénis ta parole. Bénis ces moments, bénis ces instants. Nous avons besoin de toi, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous avons besoin de toi, le Dieu tout-puissant et le Dieu créateur. Nous avons besoin de toi, Père. Sois avec nous. Oh, tu as été au Tobie, tu es au milieu. Nous croyons que tu seras également à la fin de ces assises. Et le peuple venu nombreux sera visité, sera localisé, sera béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que le ciel reste toujours ouvert. Je prie, Seigneur, que tout le monde soit touché, que tout le monde soit localisé. Je prie que ta main puissante, Seigneur, soit là. Je prie que le miracle se manifeste. Je prie, Seigneur, que l'atmosphère qui sera en ces lieux soit une atmosphère qui va engendrer des témoignages. Même après notre départ, tu feras des grandes choses. Tu as fait, tu feras et tu feras pour toujours. La Bible me dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, les dieux de la Bible. Tu n'as pas changé, les dieux de miracles. Tu n'as pas changé, les dieux des témoignages. Ce peuple est venu ce matin, un peuple venu nombreux, un peuple assoiffé, assoiffé de la parole, assoiffé de ta présence. Seigneur, il mérite quelque chose. Il mérite un pain. Mais cette fois-là, c'est le pain de vie qui est toi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Prends le contrôle de tout, sois au contrôle, gère tout, parle à notre place, fais tout à notre place, que nous soyons juste un canal par lequel tu passes pour bénir ton peuple. Agis, tout
touche, transforme, change les vies, bouleverse les vies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Je suis très, très, très content d'être là. On peut interpréter, c'est bien qu'on interprète, c'est mieux qu'on interprète. Tout le monde comprend français. D'accord. Donc, on ne peut pas interpréter. Ça ne me dérange pas. Hein? Mais je pose la question, on peut interpréter. Ces mamans-là sont où? Elles sont où? Moi, je ne les vois pas. Amen. Bon, on va faire français Lingala ou... Là où on est trop français, on va interpréter. Il y a mon interprète d'ailleurs, c'est lui qui m'interprète même à Kinshasa. Amen. Hein? Alors, je disais que je suis très content d'être là, voir ces grands peuples venus avec soif. Logiquement, ici, je devais prêcher en Lingala d'ailleurs, parce que je crois que tout le monde ici parle Lingala. Mais parce que nous sommes suivis dans la francophonie, donc ces cultes ici, nous sommes en direct sur YouTube et Facebook. Il y a d'autres communautés qui ne comprennent pas le Lingala, vous comprenez? Les Ivoiriens nous suivent, les Burkinabés, les Maliens, les Camerounais, et là nous sommes obligés de prêcher en français. Alléluia. Amen. Allez, on acclame le Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur pour cette occasion favorable. Je sais une chose, je vais le dire avant de commencer. Parce que tu es venu ici, tu n'es pas venu pour moi. Tu n'es pas venu pour moi. Et c'est la première fois que moi et toi, on se voit. Mais avant qu'on se voie, le Saint-Esprit savait déjà que ce moment sera un moment bénéfique. J'étais à Pointe-Noire l'année passée. J'ai vu comment le Seigneur a fait de grandes choses. J'ai vu même Joël est là, Noël est là. On nous a amené une dame qui était paralytique. Pour la première fois, on a prié. Lui vient de Pointe-Noire. Je l'ai vu quand je suis arrivé ici. Dieu l'a béni. Sur place, la dame a jeté ses béquilles. Quand vous venez là, vous ne venez pas pour moi, vous venez pour Dieu. La foi est, soit là avec ton problème, avec ton fardeau. Ce passage, c'est un passage pas comme les autres passages. Après ce culte, tu ne me verras pas, je vais rentrer chez moi. Mais j'aimerais que ce que Dieu va faire dans ta vie, que cela reste gravé. Amen. Je vais parler sur un thème très important. Qui es-tu? Grande montagne, devant moi, tu seras aplani. Zacharie, chapitre 4, verset 7. Je vous demande de vous lever, vous tenir debout. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole. Vous qui êtes assis, vous pouvez vous levez, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Zacharie, chapitre 4, verset 7. Je peux commencer même au verset 3. Et là, vous pouvez bien comprendre le message au verset 7. 3. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait avec moi,
Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, je sais, me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Alléluia. Veuillez vous asseoir, on acclame encore le Seigneur Jésus. Oh là là, quelle joie d'être là aujourd'hui. Quelle joie d'être là aujourd'hui. Quelle joie d'être là. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus très fort? Merci. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas négliger la force de l'Internet. Je comprends que l'Internet, là, est vraiment puissant. Amen. Hein? Alléluia. À part Brazzaville, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues de Pointe-Noire, par exemple? Pointe-Noire. OK. Pointe-Noire aussi, là-bas, papa. Ok, alors j'aimerais avant de commencer, nous de Brazzaville, nous allons recevoir le bien-aimé de Pointe-Noire parce que là, ils ont payé leur billet d'avion pour arriver ici. Quel sacrifice! Est-ce qu'on peut les recevoir avec des acclamations? Alléluia! Soyez bénis, vous avez au moins payé le billet d'avion et venir à Brazzaville, ce n'est pas facile. Nous vous recevons dans le nom de Jésus. Alors, je commence déjà ma prédication. Après la prédication, comme ça a été dit, nous allons prier pour le malade. Et aujourd'hui, prépare-toi, sois calme parce que l'Éternel va aussi te parler. Nous allons prophétiser. Amen. On va faire trois choses. D'abord, la parole, parce que la Bible dit au commencement, c'était la parole. Après la parole, nous allons prier pour le malade et tous ceux qui ont des cas difficiles et des cas résistants. Quand on finit cette étape-là, la dernière étape, c'est la prophétie. Parce que moi, je crois au prophétique et je crois que l'Éternel a parlé hier. Il parle aujourd'hui et il parlera toujours. Donc, sois calme parce que Dieu va nous parler. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu, un sacrificateur. Son nom, c'est Zacharie. Zacharie a fait un songe. Je dirais pas un songe, mais une vision. Une vision dans laquelle il a vu un ange qui était en train de lui parler. L'ange parlait à Zacharie et dans cette vision, Zacharie était en train de voir le chandelier d'or. Alors, la vision était tellement compliquée que Zacharie n'a pas eu le temps de discerner la vision et de tout comprendre. Il a commencé maintenant à poser la question à l'ange qui lui parlait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Et l'ange a commencé maintenant à expliquer la vision. Alors, j'aimerais d'abord que tu saches, à chaque fois qu'on te parlera de l'ange de l'Éternel, il faut savoir, dans l'ancienne alliance, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc ici, l'homme de Dieu, le sacrificateur, le prophète Zacharie, était devant le messager de Dieu, appelé un ange,
que moi j'appelle, l'Éternel lui-même était en train de lui parler. Mais il lui parlait au sujet d'un roi, au sujet d'un homme. Cet homme qui avait parfois des problèmes, qui avait des inquiétudes, qui s'inquiétait au sujet de quelque chose. Et l'Éternel a dépêché un ange. Donner le message à quelqu'un. Écoute, chaque fois, quand le Seigneur voit ton cœur, quand il voit que tu as des inquiétudes, quand le Seigneur voit que tu es en train de t'inquiéter, il finit toujours par t'envoyer un messager. Il t'envoie un messager pour que le messager te parle. Au travers de la parole du messager, tu seras convaincu et tu vas trouver des réponses à tes questions. Alléluia. Je prophétise que ce matin, Dieu m'a envoyé pour toi. Dieu m'a donné un message pour toi. Ce message n'est pas le message de ton voisin. Ce message n'est pas le message de celui qui est derrière, de celui qui est à gauche ou à droite, mais c'est ton message à toi. Capte ce message et ta vie ne restera jamais la même. Alors, quand il a posé la question à l'ange, l'ange a commencé à expliquer maintenant la vision. L'ange a commencé à interpréter la vision. Il lui dit, en réalité, je ne m'adresse pas à toi, mais je m'adresse à Zorobabel. Il a des problèmes, il s'inquiète. Mais va lui dire que tous ces problèmes-là, toutes les inquiétudes qu'il a, ça va finir par passer. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, va dire à Zorobabel. Je vais lire le verset 7 calmement. Le verset 7, je vais lire calmement. Le verset 7, il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. » Ici, on reconnaît que la montagne était grande. On reconnaît que la montagne n'était pas une petite montagne, une grande montagne. Mais écoute le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est un langage de l'assurance. Il dit, je sais que tu es une grande montagne, mais devant Zorobabel, tu seras aplani. Je sais que tu es une grande montagne, mais devant moi, tu ne feras absolument rien. Je sais que tu es une grande montagne, mais devant moi, tu seras aplani. Une manière de dire ceci, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des choses et des choses qui te tourmentent, mais un homme qui a la foi, il confesse d'abord la victoire. Tu ne peux pas te laisser être terrassé par des problèmes. Il ne faut pas paniquer lorsque tu es devant un problème. Un homme qui a la foi, il confesse la victoire. Même quand il traverse des moments difficiles. Je sais que c'est difficile, mais je finirai par m'en sortir. Je sais que c'est difficile et compliqué, mais l'Éternel est vivant. Je sais que je passe par le feu, mais ce feu ne me consumera pas. Je sais que je passe par des grands problèmes, mais l'Éternel est avec moi. Zorobabel avait des problèmes et Zorobabel s'inquiétait. Et l'Éternel a vu ses inquiétudes. Il a dit, je lui envoie un message. Je lui envoie un message. Mais pour que le message lui parvienne, il faut qu'il y ait un messager. Tu es devant un messager de l'Éternel. Je ne peux pas te guérir, mais le Seigneur qui connaît ton problème, il va te guérir. Quand je te parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui te parle ce matin. Je suis incapable de guérir le malade,
je suis incapable par moi-même de prophétiser, mais c'est lui qui m'a envoyé. Va à Brazzaville. Il savait qu'il y a un malade ici. Il savait qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes ici. Et par ce passage, tu recevras ton miracle au nom de Jésus. Par ce passage, ta vie ne restera jamais la même au nom de Jésus. Je crois et je déclare, Dieu a vu tes inquiétudes. Tu es comme un Zorobabel, tourmenté par les démons, trahi par sa communauté, rejeté par ses frères et sœurs. Et il m'a envoyé te dire, tout ce que tu vois, ça ne te fera absolument rien. Ce vent va passer. Ce vent qui souffle dans ta vie va passer. Ce vent qui souffle dans ta vie va passer. Si tu me donnes un amen puissant, que le Seigneur te localise au nom de Jésus. Nous tous, on a connu des problèmes, mais on avait les yeux vers le ciel. Nous sommes passés par le haut et le bas. Nous sommes passés par le pire. Mais parce que Dieu ne nous avait pas abandonnés, jusque-là, nous sommes devant vous. On prêche, nous tenons, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Va dire à Zorobabel qu'il soit calme. Qu'il se calme. Regarde à côté de toi. Parle à la personne qui est là. Dis-lui, mon ami, sois calme. Regarde à celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui, sois calme. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as des soucis. Je sais que tu t'inquiètes pour un dossier qui n'a pas bien marché. Mais Dieu me dit de te dire, sois calme. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Et ça va passer au nom de Jésus. Soyez calme. Le Saint-Esprit va te donner la paix du cœur. Même quand tu traverses des moments difficiles, le Saint-Esprit te donne la joie. Même quand tu ne peux pas avoir logiquement la joie, mais Dieu peut te le donner. C'est un signe de miracle, de la délivrance. C'est un signe du changement. Alors, ici, l'Éternel a voulu minimiser les inquiétudes de Zorobabel. Et ça, c'est le grand secret dans le domaine de la foi. Le grand secret, c'est d'abord minimiser ton problème. Malgré la taille de ton problème, malgré la grandeur de ton problème, une fois lorsque tu te mets à genoux pour prier, tu commences d'abord par minimiser ton problème. Tu commences par sous-estimer ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? David est arrivé au front. Il trouve un homme géant, de grande taille. Et on lui dit, lui, c'est Goliath. C'est un champion du monde. Il a trouvé tout le monde en train d'appeler cet homme Goliath, Goliath, Goliath. Il avait la maîtrise du nom de cet homme. Parce que son nom était connu, le géant Goliath. Mais écoute, David, quand il arrive au front, il n'a pas appelé Goliath par son nom. Il a dit, quel est cet incirconcis pour blaguer avec le nom de l'Éternel? Cet incirconcis, alors en Israël, un incirconcis était comme une injure. Donc, bato bakatamangengate. Des Philistins, basarakabongo. Et l'Éternel était fier de David. David a sous-estimé l'adversaire. À chaque fois que tu as beaucoup de combats, il faut d'abord sous-estimer ton combat. Et moi, quand je peux prier avec ces passages bibliques, à ma place, qu'est-ce que je peux dire? Qui es-tu? Célibat. Devant Niclette, tu tomberas. Une manière de dire, je finirai par me marier. Qui es-tu? Maladie. Dans mon corps, tu seras aplani. Qui es-tu? Blocage financier.
devant moi. Tu finiras par céder. Tu vas céder. Tu vas partir. Seul Dieu est l'Éternel. Mais en dehors de Dieu, tout ce qui reste est éphémère. Ça finira par passer. Les problèmes vont passer. Ta maladie va passer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu? Je reconnais que tu es une grande montagne. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es fort. Mais pas devant moi. Ta puissance, ta force là, ailleurs. C'est ainsi que tu vois, dans une famille où tout le monde ne se marie presque pas, mais tu vois une jeune fille qui s'élève et qui dit au célibat, célibat, tu as dominé ma mère, tu as dominé ma grande sœur, tu as vaincu les autres, tu as dominé les autres, mais pas moi, devant moi, tu seras aplani. Je prie et je déclare, ce qui a mis les autres genoux ne te mettra jamais à genoux au nom de Jésus. Ce qui a dominé ton père ne te dominera pas. Ce qui a vaincu ta mère ne te vaincra pas. Les démons qui ont combattu ta famille, toute ta famille, ton père a été écrasé. Il est mort d'ailleurs à fleur d'âge. Ce combat de famille a massacré toute la famille. Mais quand il s'agira de toi, quand ils viendront à toi, le Seigneur ne permettra pas que le diable te touche. Dieu ne permettra pas que tu sois humilié. Dieu ne permettra jamais que tu sois humilié. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous savons, il y a des choses comme ça, où parfois, ta grande sœur, l'aînée de la famille, a été engrossée. Elle a fait des enfants sans mariage. La deuxième aussi de la famille, même situation. Et quand toi tu es maintenant la troisième, tu viens après deux filles qui ont été engrossées, qui ont fait des enfants, qui n'ont pas été honorées. Quand toi tu es à la troisième position, il faut parler un tel langage. Célibat, célibat, qui es-tu? Tu as dominé ma grande sœur, l'aînée de la famille. Tu as vaincu la deuxième de notre famille. Et moi, je suis la troisième fille de cette famille. Devant moi, tu seras aplani. Et si tel est ton cas, je le déclare au nom de Jésus. Si tel est ton cas, je le déclare au nom de Jésus. Si tel est ton cas, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce qui a vaincu mon père ne me vaincra pas. Ce qui a dominé ma mère ne me dominera pas. Moi, je suis moi. J'ai ma destinée. J'ai ma grâce. J'ai mon alliance. J'ai mon appel. Je ne suis pas la photocopie de ma mère. Je ne suis pas la photocopie de mon père. Si mon père a échoué, moi je peux réussir. Si ma mère a échoué, moi je dois réussir. Au nom de Jésus, que cette déclaration entre dans ta vie. Que cette déclaration te localise. Non, nous croyons que l'échec de mon père n'est pas mon échec. Que l'échec de ma mère n'est pas mon échec. Que l'échec de ma grande sœur n'est pas mon échec. Arrêtez de dire, moi je ne crois pas parfois au lien de famille. Ce qui lui arrive, c'est parce que son père aussi. Parfois oui, nous croyons à ces choses-là. Mais quand on est un fils de la promesse, quand on a une alliance avec Dieu, tu es obligé de briser. De briser les liens de famille. De briser les liens. On a arrêté un apôtre dans la Bible. Parmi les disciples de Jésus, c'était Jacques. Hérode, qui était le roi, il arrive, il met sa main sur Jacques. Il a décapité Jacques. Il a tué Jacques. Alléluia. La Bible dit, l'année prochaine, donc à la même période, Hérode va encore aller mettre la main sur Pierre.
Il a voulu faire du mal à Pierre. Acte des apôtres, chapitre 12. Il a arrêté Pierre. Il a mis Pierre dans la prison. Quelques jours après, il a annoncé la sentence. Il a dit, il va tuer Pierre. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître et le tuer, cette nuit-là, le ciel a mobilisé une armée. Oh, le ciel a mobilisé une armée. Un ange du Seigneur est descendu jusqu'en prison. Il a réveillé Pierre. La Bible dit, Pierre est sorti de la prison jusqu'à sa résidence. L'ange l'a accompagné. Pierre n'était pas mort. Mais écoute, pourquoi le cas de Jacques, le ciel est resté calme. On a tué Jacques, le ciel n'a pas réagi. Alors que Jacques aussi était un apôtre de Jésus. Mais lorsque Hérode a mis la main sur Jacques, lorsqu'on a tué Jacques, il n'y a pas eu l'intervention du ciel. Mais quand on a touché à la vie de Pierre, l'Éternel a dit non. La fois passée, on est resté calme et on a perdu Jacques. Cet ennemi a mis la main sur Jacques et Jacques a été décapité. Il a repris encore. Il a mis la main sur Pierre. On ne peut pas rester calme. Le ciel s'est ouvert. Que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Il a dépêché un ange. L'ange a sauvé Pierre. Une manière de dire. Nous sommes tous des apôtres. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Mais chacun a sa promesse. Chacun a sa promesse. Chacun a son alliance. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 15, verset 16, ou 16, chapitre verset 16, je crois, la Bible dit, un jour Jésus a réuni tous ses... Il commence à leur poser la question, que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Les apôtres ont pris la parole. Tu es ceci, tu es cela, tu es un prophète. On dit que tu es celui-ci, que tu es celui-là. Il y a une seule personne. C'était Pierre. Il a pris la parole. Il a regardé Jésus tout droit dans les yeux. Il lui a dit, toi, tu n'es pas un prophète. Toi, tu es le Messie. C'est lui qui devait venir et qui est déjà venu. La parole faite chair, c'est toi. Tu es le Fils de Dieu vivant. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es la parole faite chair. C'est toi le Messie. Et lorsque Jésus regarde Pierre, il dit, Pierre, non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas le sang, la chair. Oh, c'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé. Et il reste calme. Il dit, comme toi tu y as prophétisé sur ma vie, moi aussi je prophétise sur toi. Jésus a regardé Pierre. Il lui a dit, et moi je t'ai dit, toi, Simon Pierre, fils de Zébédée, toi, tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette pierre que toi tu es, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu m'as connu avant tout le monde. Tu m'as décrit avec précision. Oh! On peut être tous disciples de Jésus, mais tout le monde ne connaît pas Jésus de la même manière. On peut être tous pasteurs, prophètes, évangélistes, mais chacun a sa grâce. Pierre avait une grâce particulière. Et l'Éternel lui a dit, toi, Pierre, Simon, fils de Zébédée, toi, tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Un jour, Hérode est venu. Il arrête Pierre. J'ai toujours dit, avant de combattre quelqu'un,
Essaye d'abord de savoir quelles sont les promesses que Dieu lui avait données. Avant de combattre quelqu'un, essaie de vérifier s'il n'a pas une alliance avec le ciel. Avant de combattre quelqu'un, essaye d'entrer dans son intimité pour connaître des choses qu'il fait dans le secret avec le Seigneur. Il a mis la main sur Pierre, ne sachant pas que Pierre, c'est lui-même le premier pasteur qui va diriger l'église primitive. Quand Jésus est parti, à qui il a remis la clé de l'église? À qui il a remis le pouvoir? Il a dit, toi, j'ai donné le pouvoir. Ce verset, quand on a écrit, c'était pour Pierre. Il a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié aussi. Ce que toi tu vas délier sur la terre sera délié aussi. Ce pouvoir, il a donné ça uniquement à Pierre. Et toi tu t'élèves pour combattre une telle personne. Toi tu t'élèves pour mettre la main. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Pierre était en prison, même quand on lui a annoncé la sentence qu'on va te tuer le matin, la Bible dit, Pierre n'a pas prié. Pierre n'a pas paniqué. Pierre n'a pas pleuré. Pierre n'est pas allé supplier le roi Hérode. Limbisangaye, papa nangaye vraiment nakoti kamasi nabana ozobo mangaye. Pourquoi? Il n'est pas allé supplier le roi Hérode. Il n'a même pas prié. Vous savez, il y a des prières que nous faisons dans la précipitation. Il y a du coup un problème devant toi, tu vas aller prier. Toutefois, les prières qui nous sauvent n'ont pas problème, il y a l'élo. Le problème d'aujourd'hui, c'est un problème qui a été réglé par la prière que tu as fait il y a des années. C'est impossible que la prière que tu fais par précipitation puisse ouvrir le ciel. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être condamné à la justice. Seigneur, 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 cette prière-là, où tu as peur, tu fais dans l'agitation, ça ne peut rien faire. Alors la Bible dit, Pierre est resté calme. Un apôtre, on lui a dit que demain il va mourir. Si c'était toi, cette nuit-là, est-ce que tu allais fermer l'œil? Rabababababababa. Rondoshakabayete. Tu allais commencer à parler en langue. Parler en langue, prier sous l'émotion, la précipitation. Mais regarde Pierre qui fait confiance à son Dieu. Il le garde de silence. Il dort. Pourquoi il dort en paix? Il dort en paix parce que il s'est souvenu de la parole du maître. Non, il ne m'avait pas promis la mort. Ces jours-là, quand il prophétisait sur moi, il avait dit que moi je suis Pierre et sur moi il bâtira son église. Et aujourd'hui, Hérode me promet la mort. Que je croie à la parole de qui? Il y avait maintenant des paroles devant Pierre. Hérode l'a promis la mort. De l'autre côté, Jésus lui avait promis qu'il va bâtir l'église. Et Pierre, je crois, je me dis, ce n'est pas écrit, il est resté calme. Il dit, entre la parole de l'homme et la parole de Dieu, je dois croire en Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il a dit, Hérode était un roi, mais il peut mentir. Parce que c'est un homme. Mais lui là, dans Nombre chapitre 23, il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Voilà pourquoi Pierre est resté calme. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait même une offrande. Il n'a pas appelé ses frères et sœurs. Soutenez-moi dans la prière. Hein? Soutenez-moi dans la prière. Hein? J'ai des combats. On m'a promis la mort. Soutenez-moi. Priez pour moi. Non. Il a fait confiance à l'Éternel. Il a fait confiance à Dieu. Il est resté là. La nuit qui précéda le jour où
tient sa promesse. Il y a une promesse qui a crié dans les cieux. On a envoyé un ange. L'ange est venu réveiller Pierre. Lève-toi. Toi, tu n'es pas Jacques. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas décapité. Parce qu'il y a une promesse sur toi. Sur toi, on bâtira l'église. Sur toi, on bâtira l'église. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu, je déclare. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu, je déclare. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu, je déclare que tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. La mort, c'est un chemin par lequel nous tous, avant l'enlèvement, nous passerons par la mort. Mais tu ne peux pas mourir n'importe quelle mort. Oh, reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Moi, je le fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Il est plus que ton pasteur. Ton pasteur, c'est un homme. Il peut pécher, il peut mentir. Il est plus que ton prophète, parce que ton prophète c'est un homme. Je suis un prophète, laisse-moi vous dire, il y a des prophètes parfois, ils te donnent un message et à la fin, il ajoute un commentaire qui vient de lui. Mais quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité du troisième jour? Est-ce que tu peux acclamer celui qui règne éternellement? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant et le Dieu Créateur? Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Souviens-toi qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ça finira par passer. Amen. Ce qui te secoue aujourd'hui, ça finira par te lâcher. Amen. Dieu est fidèle. Je veux finir ce message pour que je prie pour vous. Mais retenez une chose. Je ne peux pas guérir même un seul malade aujourd'hui. Je n'ai pas le pouvoir de guérir. Moi, je vais prier pour toi. Mais c'est lui qui a le pouvoir de guérir. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes inquiétudes. Et c'est lui qui te guérira aujourd'hui. Alors reçois cette parole. Commence déjà à appliquer cet enseignement. Il faut sous-estimer ta maladie. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Luc chapitre 8, verset 43. Cette femme a souffert pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de misère. 12 ans de condamnation. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Comme toi aussi. Tu as entendu parler de Jésus. Quand je vois le bien-aimé qui viennent de Pointe-Noire. Ils ont payé le billet d'avion. Je connais le prix. J'ai été à Pointe-Noire la fois passée. Aller-retour. Payer le billet d'avion. Venir à Brazzaville. Non. Ce n'est pas un hasard. C'est une révélation. Et une telle personne, je ne crois pas qu'elle peut retourner, même réduit, chez elle à la maison. Je ne crois pas. Elle doit être impactée. L'une de ces questions doit trouver la réponse. L'un de ces problèmes doit être résolu dans la présence du Seigneur. À cause du sacrifice, à cause de l'amour, à cause de tout ce que je suis en train de dire, cette femme, cet homme, ces gens qui viennent de très loin, ils seront impactés. Commencez à sous-estimer vos problèmes. Commencez à sous-estimer vos problèmes. Minimisez vos problèmes. Il faut minimiser ton problème. Tu as une maladie. Même si c'est le sida. Toi, tu n'as pas appris qu'il y a des hommes et des femmes. Moi, j'étais en train de prier.
pour une dame. Elle avait la maladie du sida. En 2019-2020, la dame est aujourd'hui en Afrique du Sud. Dieu l'a guérie. Après 9 ans, 9 ans où elle a souffert avec la maladie du sida, Dieu l'a guérie. Je connais beaucoup de personnes. On m'a amené quelqu'un sur une chaise roulante. Nous sommes en 2019. On arrive avec la personne. Je n'ai pas prié. Parmi les serviteurs que j'ai, il y a un prophète, Yannick. Je lui ai dit, va avec la prophétesse Rose, priez pour le papa qui est là. Et deux, ils ont prié. Mais papa, lui, n'avait pas la foi. Pour lui, j'ai entendu parler des prophètes Paulin. Pourquoi j'arrive? Le prophète, au lieu que lui-même prie pour moi, il m'envoie ses serviteurs. J'aimerais que lui-même me touche. Je vis que la personne était en train de douter. Je me suis approché. Je lui ai dit, tiens-moi. Je n'ai pas prié. Je lui ai dit, tiens-moi. Il m'a tenu la main. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Marche. Il a commencé à marcher. C'est la prière qui a été faite par Yannick et Rose. C'est cette prière qui lui a guéri. Donc comme il doutait, il avait besoin de moi. Et moi non plus, je n'ai pas prié pour lui. Mais je me suis tellement approché, j'ai dit, tiens-moi, allez, lève-toi et marche. A dit ta chaise roulante. C'était un samedi, je n'ai jamais oublié. Il a commencé à parler. Il a commencé à marcher plutôt. La femme à la perte du sang a vu la main de Dieu. Quel est ton cas? Quel est ton cas? Quand vous lisez la Bible, on vous dit, il a guéri la femme à la perte du sang. Vous vous posez la question, cette femme a souffert combien d'années? On te dit 12 ans. 12 ans de souffrance. Une manière de te dire ceci. Si il a guéri une personne qui a souffert pendant 12 ans, il peut aussi te guérir. Toi qui as un problème de chômage de 4 ans. 4 ans c'est quoi? Parce qu'il a déjà dans le passé résolu le problème de 12 ans. Et bon, il y a 2 ans, il y a chômage. Il y a 3 ans. Il y a 38 ans à la piscine de Bethesda. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand la Bible donne des détails, l'homme de Bethesda, il a souffert pendant 38 ans. Et quand moi j'ai lu la Bible, et je sais que j'ai un problème de chômage de 5 ans. De 5 ans. 5 ans. La première des choses que je vais me dire, je me dis, moi j'ai un problème de 5 ans. Je m'inquiète. Mais Zambéwana, Abiki Sabatu a 38 ans. Donc, ce qu'Abiki Sabatu a 38 ans, 5 ans, il y a le côté de Bosunaï. Oh, Pesang Amen. Donne-moi la main. S'il a guéri les hommes qui ont souffert après 38 ans, il peut résoudre ton problème de 4 ans, ton problème de 3 ans, ta maladie de 10 ans, ta maladie de 9 ans va disparaître au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... J'aimerais maintenant qu'on prophétise avec toi. Lève la main. Lève la main droite. Lève la main. Lève la main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je sens ta présence. Seigneur, tu es en ces lieux. Seigneur, tu es là. Emmanuel, tu es là. Je ne suis pas venu ici vendre. Je ne suis pas venu acheter. Je suis venu dans ta présence pour être touché, être impacté, être guéri. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai des problèmes. Comme tu es descendu, quand tu vas guérir le malade, guéris-moi aussi. Quand tu vas visiter le célibataire, visite-moi aussi. Quand tu vas répondre aux gens qui ont des questions, réponds-moi aussi. Quand tu vas bénir les femmes stériles, bénis-moi aussi. Quand tu vas bénir les chômeurs,
éternel, bénis-moi aussi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, que ta main me touche. 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 Que ton onction me localise. Que ton onction me touche. Que ton onction me touche. Que ton onction me touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette prière, que ma famille soit aussi visitée. Par cette prière, que mon père et ma mère, mes frères et sœurs, soient aussi localisés. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Délivre aussi ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. J'ai fini mon message. Mais écoutez, donnez-moi 4 minutes. Je vais te parler de la famille. Parce que je dois prophétiser. Je crois que je dirai beaucoup de choses dans vos vies. Des choses qui correspondent aux réalités de vos familles. Alléluia. Alors, voici. Il y a un verset qui m'a beaucoup béni dans la Bible. Un verset qui m'a beaucoup béni dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Vous connaissez tous ce passage biblique. Un jour, vous l'avez lu, ce passage biblique. Vous l'avez lu. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible, je peux lire pour toi. La parole dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On s'adresse à une seule personne. Mais à la fin de la promesse, on dit, tu seras sauvé. Mais pas seulement toi. Je suis le Dieu qui maîtrise les orgies. Il y a une femme, un homme qui t'ont engendré. Il y a le frère et sœur. Je vais aussi les bénir. Toi et ta famille. Écoute, pendant que nous sommes ici, je ne sais pas la capacité de cette salle, mais j'ai vu que cette salle est remplie de personnes, des hommes et des femmes. Mais ici là, si nous sommes 200, si nous sommes 300, ajoutons encore les membres de nos familles. Chacun ici représente une famille. Tu es l'ambassadeur de ton père. Quand je te vois, même si je ne vois pas ton père à côté, mais je sais, il y a un homme et une femme. S'ils sont morts, paix à leurs âmes. Mais s'ils sont vivants, je sais, ils sont quelque part. Et je sais qu'il y a tes frères et sœurs qui sont quelque part. Laisse-moi lever ma main droite et déclarer que cette prière va aussi localiser tous les membres de ta famille. Tu as laissé quelqu'un à la maison, il est malade. Cette prière va retourner jusque dans ta maison. Cette prière peut donner la solution à ton frère qui est en Europe, qui n'a pas de documents. La prière que nous faisons en ces lieux, ça peut guérir quelqu'un qui n'est pas à Brazza. Ça peut localiser ton père qui n'est pas ici dans la capitale. Cette prière va engendrer des miracles partout dans ta famille au nom de Jésus. Car il a dit lui-même, tu seras sauvé, toi et ta famille, au nom de. Et pour finir, je m'irai alors te révolter. Je m'irai te révolter pour que tu pries bien, mon ami. Parce que tu as une famille. Bats-toi pour la délivrance de cette famille. Tu ne peux pas être là. Moi, je n'aime pas les gens qui maudissent leur famille.
les gens qui parlent en mal contre leur famille, je ne supporte jamais ces gens-là. Ça, c'est quelle famille? Oh, famille Ndengeni. Famille Zangamoutou. Dans notre famille, il n'y a personne. Ça, c'est quelle famille? Famille Akindoki. Oui, tu as raison de le dire. Mais pose-toi la question. Pourquoi moi, Dieu m'a permis que je naisse dans cette famille? La personne que toi tu cherches, elle viendra où? De la Russie? La personne que toi tu cherches, elle viendra où? De la France? Pour délivrer ta famille? Mais c'est toi-même qui dois t'élever pour délivrer ta famille. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse que Dieu a oint pour délivrer sa famille. Arrête de minimiser ta famille. Arrête de parler en mal. Il n'y a personne dans cette famille. Il n'y a personne. Non, il y a quelqu'un. Et quelqu'un là, c'est toi. C'est toi que Dieu a oint pour libérer, délivrer ta famille, délivrer ton peuple. Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Il a suscité un homme. Il s'appelle Moïse. Il a dit à Moïse, je te prends toi. Va là-bas. En Égypte, délivre tes frères et sœurs. Sois le Moïse de ta famille. Sois le Moïse de ta famille. Ne croise pas les bras. J'ai suivi un sketch théâtre à Kinshasa. Je vois une compétition. C'était le comédien Saïsaï, je crois. Une compétition où son premier fils était devant une compétition de la boxe. Alors, la personne, son adversaire, était un peu géant par rapport à lui. Et quand lui est entré dans le ring, son fils a essayé d'avoir peur. Son père était en dehors du ring. Et l'enfant a voulu fuir. Et il va vers son père pour fuir. Son père lui dit, rentre. Sacrifie-toi pour la famille. Même si on doit te battre, mais au moins tu dois oser. Et si on ne te bat pas, on peut gagner cette compétition. On peut gagner cette coupe. Et notre famille sera changée. Notre famille sera délivrée. Bats-toi pour la famille. Oui, c'est vrai, il y a un danger devant toi. Mais lève-toi. Bats-toi. Lève-toi. Sacrifie-toi. Lève-toi. Prends courage. La Moukana Tongo, réveille-toi le matin. Regarde ta famille. Regarde ta sœur. Elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Toi, en tant qu'homme de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'intercesseur, même si moi je suis marié, mais quand je regarde la vie de mes sœurs, elle s'est mariée 5 ans sans enfant. Je ne peux pas être heureux. Je dois encore prier, faire tomber, briser les liens de la stérilité. Pourquoi? Parce que Mokona Biso Abala, Tosepela, Tosalafet, Yende Yaya Yaliboso ya famille. Mais côté Akenda, Abotakate. Et vous savez, quand vous avez une sœur qui s'est mariée, vous avez fêté, une grande fête a été organisée. Mais là où elle est partie là, Azo Botate. Et ça sonne à famille na bino mobimba. On va commencer à l'injurier là-bas. Et quand on l'injurie, c'est l'humiliation de toute la famille. J'ai toujours dit, même si toi, tu es marié, mais quand on parle du célibat dans l'église là, fais des offrandes, prie. Même si pas pour toi, mais pense à ta petite sœur là qui est encore célibataire. C'est ça l'amour de la famille. Dans chaque famille, il y a toujours un intercesseur. Lui qui a été oint pour intercéder en faveur de toute sa famille. Si tu es là, que le Seigneur s'occupe de toi.
Si tu es là, que le Dieu de la Bible fasse quelque chose pour toi. Les intercesseurs. Est-ce que vous savez, il y en a dans la famille. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de véhicule. Lui, c'est un sacrificateur de la famille. Vous vous êtes en paix. Vous marchez. Vous êtes dans la joie. Mais lorsque la nuit, les sorciers viennent pour vous toucher, c'est sa prière qui vous sauve. C'est sa prière qui interdit aux sorciers de ne pas ravager la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la famille, tu dois jouer ton rôle. Et vous aussi qui êtes bénis dans la famille, vous devez savoir. Vous devez savoir que parfois tu es béni parce qu'il y a la prière de votre frère cadet. Lui qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas de grandes choses, mais au moins sa prière. À chaque fois qu'il prie pour toute sa famille, il y a un Dieu qui s'élève pour protéger la famille. Quand tu regardes la souffrance qui est dans ta famille, tu te dis quoi? Moi, je manque la paix du cœur. Tu es bien, mais toute ta famille groupie dans la misère. Tu ne peux pas te réjouir. Tu dois être touché. Tu dois être touché. Tu dois t'élever, te sacrifier. Un oint de l'Éternel, un intercesseur, celui qui est un libérateur, celui que Dieu a choisi pour la délivrance de sa famille, ne peut pas échouer. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des hommes ici et les femmes. Si toi tu échoues, ton échec ne sera pas seulement ton échec à toi, mais c'est aussi l'échec de toute ta famille qui n'attendent que ta réussite. Vous savez, il y a des gens, quand on t'appelle Yaya, Yaya en français, l'aîné de la famille, comme on a Kayango gloire, ce n'est pas une gloire, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Quand on t'appelle Yaya, c'est parce que Balé Kibaza Simawana. Et très souvent, Tomo on appelle Balé Kibaza Kinaba intérieur. Yaya n'est comme dans la capitale. C'est Yaya qui est arrivé bien avant dans la capitale. Yaya qui commence à se battre. Demain, les ciels s'ouvrent. Le lendemain, il est béni. Il commence aussi à penser à ses frères et sœurs qui sont encore au village. Demain, il envoie le billet. Mi balé bayanan. Chambre salon yango yobovanda ao. Le bikuna a bengili sous. Le bikuna, famille nyonso babimi pe na kachina na zamba. Babimi na viwana. Et ça na bato bakenda poto. Kaka po yaya na bango a bengi saye. A selle ba démarche. Mon ami, je déclare. Koku fate. Sois vivant. Délivrez famille na yo. Zala na bomoy. Famille bazo talela yo. Famille bazo zela yo. Ainsi, s'il y a quelqu'un qui te combat, akuta na nzambe na zela na yo. Parce que toi, on ne peut pas te combattre. Tu as une grande tâche, une grande et lourde responsabilité. Et ça na batu bazo zela yo obonga. Po bango pe babima na pasi sima na yo. Bango nyonso bakokata bilanga te. Batu nyonso bakobonga bakoma batu minene te. Mais amba ko tombola moko na bango. Po moko na bango pe akanisa ba owoyo na na batombo amite. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Israël, il y avait combien de Moïse? Non. Je ne crois pas. Il y avait combien de Moïse? Oh non. Ne cède pas mon piège, tu as donné une bonne réponse. Il y avait combien de Moïse? Un seul Moïse. Mais pourquoi Dieu n'avait pas suscité deux Moïse, trois Moïse, quatre Moïse? Dans chaque famille, Dieu suscite seulement une seule personne. Ce qui a été fait pour la batoumi balé, c'est un mawanaye.
mais très souvent Zamba pambola kamutumo. Il vient avec la bénédiction dans la famille. Il vous trouve dans une famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est une famille de 12 personnes. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Je ne peux pas traîner ici. Na banda kokabo la bango na pesi aya na pesi lek ya misato na pesi na pesi na pesi na pesi na pesi. Je donne à tout le monde, je vais traîner. Pourquoi? Monde za munene, il y a beaucoup de familles. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend votre bénédiction de la famille là. Azui ya bino ya famille. Vous tous 12 de la même famille. Dieu ne peut pas gaspiller son temps. Abanda kokabola binote. Il prend a pesa na maboko ya mutumoko. Yo kanisa bande kona yo. Na le kapo ba tbaza yebe ebele. Il arrive dans une autre famille à kuti 15 personnes. Il ne peut pas gaspiller son temps. Apesa yaya, apesa lek, 4e, 5e de la famille. Non. Il prend ce qui vous appartient. Il donne à toi. Tu prends. Et toi aussi, tu commences à distribuer maintenant à tes frères. Il passe dans la 3e famille, dans la 4e famille. Il y a toujours une seule personne qui recevra la part de toute la grande famille. Malheureusement, il y en a. Quand lui est béni, il pense que c'est à lui seul. Malheureusement. O pambolama, ndekuna bino azola lanzala kuna. O kanisa kayete. Le kina yokuna garantie sini. Ozo kanisa yete. Toi, tu crois que Zamba pesa yombongo wana pona yomoko? Na famille, il bénit toujours une seule personne. Sois délivré de l'égoïsme. Très souvent, ce qui Zamba talike a pesa ki ango pona binonyon so me okoma koli ango yomoko, il finit par ravir ce qu'il avait mis dans tes mains. Et il va chercher maintenant o yamote ma malamu, ya ke yeso ki azanango ako kanisa bande. Moto yamote ma malamu wana ezayo. Se si toi tu es béni, tout le monde sera béni. Si toi tu as l'argent, tout le monde va se retrouver. Et d'ailleurs, les gens qui ont une grande destinée, une fois qu'il est béni, il passe même aux gens qui ne sont pas de sa famille. C'est ainsi que vous voyez, il y a des gens qui ont fait des orphelinats. Ça veut dire, sa bénédiction est tellement grande. Il a donné à tous les membres de sa famille, et kokipete, et silipete, abaniko kabola na bana bitike, kope sabato yebate, tu béniras même les gens qui ne sont pas membres de ta famille. Je prie et je le déclare. Si tu crois ce message, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de... Lève la main. Il y en a qui sont bénis. Il y en a qui sont bénis. Mais il y a d'autres qui sont devenus la source des bénédictions. Toi, tu ne seras pas seulement béni, mais toi, tu deviendras la source des bénédictions. Parce que par ton canal, tu béniras même d'autres nations. Tu es congolais, tu béniras le Cameroun un jour. Tu seras une bénédiction pour les Gabonais, donne-moi la main. Tu seras une bénédiction pour les Burkinabés. Tu seras une bénédiction pour les Togolais. Ce que Dieu a mis en toi, c'est tellement grand, c'est tellement fort que Brazzaville ne peut pas te contenir. Brazzaville est tellement petit qu'il y a d'autres nations qui auront besoin de toi. Nous avons un moutouaza. On a un charpentier. Mais charpentier, il y a un marché dans Togo. Babenga kaye na Lubumbashi, babenga kaye na Pointe Noire, ateko tonga banda ku ba immeuble, un architecte. Cela veut dire quoi? C'est que Dieu a mis en toi, même batu ya bikolo mususu ba ko luka yango. Soko pesinga ya men, lole fongo mazamba pambola yo. Si tu me donnes un amen puissant, que Dieu te bénisse. Ce que Dieu a mis en toi, c'est tellement grand. Ce que Dieu a mis en toi, c'est tellement grand. Un jour, je ne savais pas que je serais une bénédiction pour l'Afrique. Non. Je prêche ici, à Brazzaville aujourd'hui. Tous ces gens, je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais connu.
Mais si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez vu qu'en moi, il y a quelque chose qui peut vous bénir. Je ne suis pas seulement utile pour mon pays, mais je suis utile pour toutes les nations du monde. Je déclare que tu seras utile pour toutes les nations du monde. Les nations du monde seront sauvées à cause de ton message, à cause de ton onction, à cause de ton alliance. Que les nations du monde soient localisées au nom de Jésus. J'ai fini mon message. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu du ciel se souvienne de vous. Que ce Dieu-là pense aussi à vos familles. Et que ce samedi soit un samedi extraordinaire. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais alors prier. C'est un service qui va me prendre au minimum une heure du temps. Mais j'aimerais vous présenter quelqu'un ce matin. C'est un grand homme de Dieu, un grand prophète. Et ce matin, j'ai causé avec lui. Alors que j'étais à l'hôtel, il m'a dit, prophète Paulin, j'étais rejoint. J'ai dit, waouh. Dit, je suis d'ailleurs en route, je suis en train de venir. Et j'ai vu son entrée ici. J'ai compris que si Dieu l'a envoyé ici, et zanati namoko, ozambe atindiye alandangai ao, poto sangisa makasi. Poto sangisa makasi. J'aimerais, déjà avant ngai nakoma ao, avant moi, Dieu était là. Son esprit était là. Mais Brazzaville, laissez-moi vous dire, avant de prier pour le malade et les cas difficiles, laissez-moi vous dire que vous êtes spécial. Il y a quelqu'un qui est arrivé ici à 7 heures. Il y en a qui sont arrivés ici à 6 heures. Alors que c'était prévu qu'on se voie ici à 8 heures. Mais les gens venaient à partir de 6 heures. Je m'incline devant la soif que vous avez. Je m'incline devant la soif de Dieu que vous avez. Vous êtes extraordinaire. Dieu ne verra pas ton offrande. Dieu ne verra pas seulement ton offrande. Il y en a même parmi vous ici, vous êtes venus ici. Vous n'avez même pas même un franc, franc CFA. Mais laissez-moi vous dire, on n'est pas venu ici pour l'argent. Nous sommes venus ici pour vous bénir. Et je sais que vous serez bénis. Après cette prière, beaucoup de personnes vont témoigner. Alléluia. J'aimerais qu'on reçoive l'homme de Dieu. C'est le prophète Marcus. Pendant qu'il va s'élever, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la présence de son serviteur? Alléluia! Veuillez vous asseoir. Et pendant ce temps, ne comptez pas sur moi. Comptez sur Dieu. Il y en a qui seront guéris sur place. Tu n'as pas compris, je me répète. Il y en a
qui sont malades ici et qui seront guéris à l'instant, ici même. Et il y en a aussi qui vont recevoir la dose de la prière, mais qui seront guéris peut-être chemin faisant. Tiazo kota mutuka, lobi kebani kokota. Nous recevrons des témoignages, même si Tozongi déjà et pas Nabiso, il y aura toujours les gens qui vont nous appeler prophète. Une semaine après ton passage, Babengsakingana Moussala. Il y a des gens qui vont toujours appeler. Et récemment, qui prie avec moi dans ma internet? Je vous dis, on a prié un jour. 30 minutes après la prière, on avait plus de 9 témoignages. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ne m'ont jamais vu. Même Yopé. Est-ce que Yopé a déjà? Balalibosso comme ça, non? Bon, tu me vois seulement dans ton téléphone. Mais comme ça. Voilà. Comme ça, c'est la première fois, non? Non? Alléluia. Alléluia. Mais je sais que Jésus m'avait déjà précédé ici. Avant que Bisoto Koma Ao, Yesu Ayaki déjà. Et je vais vous dire que Ayebina nombre Yabatubakubika Lelo. J'invite tout le monde à se tenir debout. Nous passons à la prière. La Bible me dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi je crois, s'il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui. Il guérira encore demain. Aujourd'hui il va guérir. Aujourd'hui il va toucher. Aujourd'hui il va impacter. Et lorsque tu as dit bisakoli awa, nazo senga nzambe ozala parmi batu oyo bakozala sélectionné. Oh, amen, oyizana se. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours. Hey! Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours. Na 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 na
Yesu ika mwana Yesu elonga nanga Luka manelo yoha Yawe kumba Yesu elonga nanga Luka manelo yoha Yawe kumba Ola elonga nanga Luka manelo yoha Yawe kumba Yesu kita yosa la yoha Luka manelo yoha Alana tobi koba mabu mama leyo Yesu na tobi koba mama leyo mama leyo Alana tobi koba leyo Yesu no mama bi kayo leyo yawe kuba Dieu est déjà là. Il y a des hommes qui sont déjà touchés par le cantique. Je vois une puissance de Dieu qui est déjà descendue. Madame, tu es déjà touchée. Parce que le Seigneur est en train de travailler sur toi. Hey! Je vois, on enlève un habit sale sur toi. On enlève un habit sale sur toi. On enlève un habit sale. Glisto, glisto, glisto. Toi qui es là-bas, lève la main et ferme les yeux. Tu es malade, touche là où tu as mal. Je vois la main de Dieu qui te guérit. Je vois la main de Dieu qui te touche. Je vois la main de Dieu qui te touche. Je vois la main de Dieu qui te touche. Je vois la main de Dieu qui te touche. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, lève la main là où tu es. Lève la main. Cette dame est malade. Pendant que je la touche, je vois dans son sang, il y a déjà une arme, mais une arme biologique dans son sang. Le diable avait prévu qu'elle commence à perdre le sang dans son corps, dans ses veines. Un projet a été bien planifié pour que cette femme puisse mourir. Fin 2025, on avait déjà prévu la mort de cette dame. Pendant que je la touche, le Seigneur me dit, elle ne mourra pas. Elle a été combattue injustement. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, elle ne mourra pas. J'annule les délais qui t'a été imposé. J'annule les délais qui t'a été imposé. Tu vivras et tu vivras longtemps. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts.
Maman, laisse-la, laisse-la. Je chasse l'esprit des morts en toi. 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 Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie là où il y avait la mort. Reçois la vie là où il y avait la mort. Reçois la vie là où il y avait la mort. Reçois la vie là où il y avait la mort. Okokufate lui a bandoki a famille. Oza mutumunen zamba bomba yo. Alléluia. Continue à prier pour elle. Hey! 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 Père! 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 Et pendant que je déclare, beaucoup de gens, cimetière, il y avait des vies enterrées. Faites attention, faites attention. Faites attention. Sors la cimetière. Bima la cimetière. Bima la cimetière. Bima, bima, bima. Bakokundayote. 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 Jamais. Non. Dieu ne permettra pas. Fais. Sois touché. La main de Dieu est sur vous. 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 La main de Dieu est sur toi. Toi et ton mari. Toi et ton frère. Oh! Recevez. Ce que tu vis, c'est une punition. Les punitions. Babou qui est malade dans l'autre. Je lui perds la foi. Non. Écoutez. Il y a une forte grâce de la délivrance. Écoutez. Mon frère, lève la main comme ça. Il y a dans la salle, vous comprenez? Il y a quelqu'un, on avait déjà décidé qu'ils vivent avec problème, il y a ma sonde. A comme esclave, il y a sonde. Il est là. On avait déjà décidé ça pour lui. Que à comme esclave, il y a sonde. Heureusement qu'il est dans la salle. Je vais prier pour lui. Et dans peu de temps, cette histoire va finir. Oui, parce que Dieu l'a vu, Dieu l'a localisé. Il est capable aussi de finir cette maladie. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une punition. Infliger une punition. C'est une punition du diable. Prophète Marcus, on va prier pour le bien-aimé. Passe derrière lui. Le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, maintenant, au nom puissant de Jésus. Feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Allez, sois béni. Sois délivré.
délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Fais! La puissance de Dieu est là. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te guérisse. Sois guéri. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que je les connais? Est-ce que je les connais? Est-ce que j'ai causé avec lui? Toi, tu lèves la main droite. Nous allons prier pour lui. Je ne les connais pas. Naïe biété. Zambenda monie na kachina foule. Tozoba na zambe. Cette maladie qui vient de l'ennemi. Abandako vivre na sonde. Kaka lelo. Maladie na yesa nini? Ici. Je prie pour lui. Toi aussi, tu vas diriger ta prière ici. Ici là, nous allons déclarer des paroles. Punition. Et c'est fini. Peine et sili. C'est fini. Peine et sili. Nous allons dire à Dieu de le guérir complètement aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, 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 reçois ta guérison. 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 Touche. 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 Père. Le Dieu de mon alliance. Fais quelque chose ici. Au nom de Jésus. Rentre. Avec foi. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout celui qui a un cas difficile. Je vous ai dit, moi, je ne guérirai personne ici. Mais je suis envoyé. C'est Dieu qui va vous guérir. Moi, je ne peux guérir personne. Logiquement, comme ça, je ne suis pas médecin. Comment je peux te guérir? Mais si tu crois au médecin par excellence, Dorcas, tu vas donner mon numéro, l'autre numéro privé là. Tu donnes le numéro privé à ce bien-aimé. J'attends son témoignage parce qu'il est déjà guéri. Tu lui donnes mon numéro privé. Papa, tu prends le numéro privé chez Dorcas. Moi ici, je ne suis pas venu vendre ici. Ici là, je ne suis pas venu vendre. Naye kote kate. Naye pe kosombate. Zamba longolinga na mboka na ngai alubi kende. Ba oba koyoka oba koya. Soki obonde lipona bango. Vina bango ekotikala ndenge moko te. Je fais mon travail. Et je vais repartir. Pendant que vous cotiao, nani ba sengi mbo, na porte qu'on avant au côté pas ça droit d'entrée. Pas de droit d'entrée. Au côté ka librement, n'est-ce pas? Le biko ezao ya ofele. Biko mbaboko bota awa ya ofele. Tu vas prier maintenant pour ton cas difficile. Un cas résistant. Cas résistant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Cas résistant. Il y a la résistance. Donc tu pries. Tu pries beaucoup. Tu as toujours gêné. Mais ces cas-là résistent. Je prie que je sois le canal par lequel
Dieu va finir cette histoire-là. Avant moi, il y a beaucoup de pasteurs qui ont prié pour toi. Mais je prie que je sois le canal par lequel na passage nanga olobi Zambe ya prophète Paulin, Zambe ya prophète Paulin, prophète Paulin kaka denga le kakia. Quand tu l'es passé ici, Dieu m'a béni avec un enfant. Dieu m'a béni avec un travail. Les gens des cas difficiles, vous êtes là? Lève la main. Ton cas est difficile. Kanayo et Oumeli. Yébi sans âme. Tu es le Dieu des cas difficiles. Tu es le Dieu des cas difficiles. Le mien a beaucoup résisté. Touche-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Bénis-moi aujourd'hui. Si tu es malade, tu touches là où tu as mal. Nous, on va passer. Moi, le prophète Marcus, le serviteur de Dieu, celui qui a modéré, le modérateur. Nous sommes trois. Et nous allons entrer au milieu de vous. Nous allons prier pour tout celui qui a des problèmes, pour tout celui qui est malade. En même temps, toi aussi tu pries pour toi-même. Dis à l'Éternel, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de ma guérison. Parle à ton problème. Aujourd'hui, je vais me séparer de toi. Parle à ton célibat. À ton masque de vieillesse. Yebisango le longa inoto kabwana. L'obé la stérilité. Maladie à miswana. Yebisango le longa inoto kabwana. Commence à déclarer. Allez. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Alléluia. Ce problème doit partir. Ce problème doit partir. Ce problème doit partir. Priez. Priez. Priez, 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 priez. Priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Priez très fort. Matissa, priez. Écoute, tu prends les deux mains, tu poses sur ta tête. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a payé le prix. Nayango talatina Naina koyembela yo Jésus Tango nyonso Nabombo inamba Mosusu asalite Kaka yo Yesu nanga Mokufela kina Talatina, Nayango talatina, Naina koyembela yo, Tango nyonso ye, Nabombo inanga. Mosusu azalite, mosusu azalite, mosusu azalite, Kaka yo Yesu nanga. Lève les mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai un cas difficile. J'ai une maladie dans mon corps.
J'ai entendu parler de toi. Je suis venu pour que tu me sauves, pour que tu me touches, pour que tu me guérisses. Au nom de Jésus, tu restes calme. Il y a une atmosphère. Continue avec la mélodie, mon frère. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Est-ce que tu peux te concentrer? Ferme les yeux. Ne me regarde pas. Tu n'es pas venu ici pour moi. Je vois une main qui est en train de circuler dans la salle. Avant que moi je passe et le prophète Marquis, avant que le modérateur passe, il y a une main qui nous a précédés. Il y a une main qui nous a précédés. Il y a une main qui nous a précédés. Je vois une main qui est en train de vous toucher. Je vois une main qui touche vos têtes. Aïe! Oh! Ça touche tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Il y a un grand serviteur de Dieu dans la salle. Il y a un grand homme de Dieu dans la salle parmi vous. Parmi vous. Pendant que je vois la main qui touche les têtes des autres, je vois sur sa tête, je vois un pigeon tout blanc. Faites attention. Oui, 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 oui. Seigneur, tu ne mens pas. Oui. 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 Oui, 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 oui. On vous touche, on vous touche. Il y a la main qui te touche. Il y a la main qui te touche déjà. Tu es déjà touché. Sois ouais, sois ouais, sois ouais, sois ouais, sois ouais. Il y a une onction sur ta tête. Il y a une onction sur ta tête. Il y a une onction sur ta tête. Il y a une onction. Une forte onction. Une forte onction. Une forte onction. Il y en a qui vont commencer à parler en langue. Il y en a qui vont voir. Les écailles de tes yeux vont tomber. Tu verras clairement. Tu verras clairement. Bako de boucher ma toi inayo. Okoyo kamungongo ensemble. Okoyo la visiter. Reçois, 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 reçois. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, s'il y a le parlant langue qui t'arrive, ne le bloque pas, parle en langue. Si tu as dit quelque chose, cherche encore à voir et tu verras beaucoup plus clair. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Nous, on passe. On passe, on va prier pour toi. Les malades sont déjà guéris. Les malades sont déjà guéris. Maman, n'a mon osolé là. N'a mon osolé là. Osolé là. N'a mon maïa mis sur les otanga. Zamba y misra na y misra yoboye. N'a kati nanda kuna yo. Osa na problème. N'a zo mona olé la kataka. Boutou pe moui. Osolé la kaka. Boutou pe moui. Il y a tellement de problèmes. Beaucoup de problèmes dans ta vie. Que quand tu penses à ton passé, quand tu penses à ta vie, ça te pousse toujours y a collé là. Ma bamba yo déjà est le guia collé là. Maya mis na yo kauka. Libela na libela. Maya mis na yo kauka. Libela na libela. Maya mis na yo kauka. Libela na libela. Quand on prie pour toi, il y a une puissance. 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 Servante de Dieu, reçois. Servante de Dieu, reçois. Reçois. Servante de Dieu, reçois. Servante de Dieu, reçois. Il y a une puissance sur toi. Servante de Dieu, reçois. Reçois. Servante de Dieu, reçois. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. 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 Si on avait prévu une maladie pour que tu sois opéré, je prie maintenant. Que cet esprit te quitte. Au nom de Jésus. 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 Oh! Oh!
mokolo elu na zangi kimya yesengo nanga ebo wanima papa olimisanga touche ton serviteur papa touche ton serviteur touche ton serviteur. Il y a l'onction qui te touche. Il y a l'onction qui te touche. Il y a l'onction qui te touche. C'est aujourd'hui ton cours. Que ta vie, ton serviteur change. Au nom puissant de Jésus. Tu as cherché la vie dans le monde. Mais tu n'as rien trouvé. Tu étais dans le monde. Tu étais dans le monde. Mais tu n'as rien trouvé. Tu étais dans le monde. Mais tu n'as rien trouvé. Tu étais dans le monde. Mais tu n'as rien trouvé. Oh! Le Seigneur t'a blessé. Pour que tu sois impacté. 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 Il y a l'onction qui te touche. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh Père. Ah, il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi maintenant. Les hôtels de famille. Oh, 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 oh. Les pouvoirs ancestrales. Libère. Oh. Libère. Oh. Jésus. Libère sa vie. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Mon frère. Pouvoirs ancestrales. Libère sa vie. Libère ses corps. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es béni de l'éternel. Tu es libre. Tu es libre. Je vis ici une lampe. Jésus. Et une forte lumière. Dieu m'a dit. C'est lui que j'ai choisi dans sa famille. Oh! Oh! Le Dieu des esprits des prophètes. Il me dit, c'est toi le Joseph de ta famille. Mais tu as été beaucoup combattu. Tu as cherché la vie dans le monde. Tu n'as pas trouvé la vie. Et Dieu t'a appelé. Dieu t'a ouvert pour que tu sois son serviteur. Oh, je prie et je déclare. Yondeli konzia famille. Et loko yaki koluka aozo zoyango. Tu entres en contact avec l'onction. Tu entres en contact avec l'onction maintenant. Et tu seras impacté. Tu entres en contact avec l'onction. 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 Alléluia. Tu entres en contact avec l'onction de Dieu. Tu entres en contact avec l'onction. Ta vie ne sera jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose. Reçois. 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 Que ta vie change. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté au nom de Jésus. Sois impacté au nom de Jésus. Sois impacté au nom de Jésus. Bila quel ma meilleure famille n'a eu quoi. Mon tout est quoi. Miracle contre la vie. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Mon tout n'a eu sur le monde. Sarayebo la mounzambe alliance. N'a pas voulu ma boko na yo. Simbambo. Kitsego. France FA. Héros. Dollar. Toutes les monnaies. Ma boko et pambola. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Il y a la fée de Jésus. Il y a le feu de Jésus sur ton corps. Il y a le feu de Jésus sur ton corps. Écoutez. Non, le prophète va continuer à prier. Mais toi, écoute. J'étais là à l'hôtel. Je priais entre 1h et 2h. Je me suis vu dans la salle. En réalité, j'avais prévu 3 vêtements pour choisir l'un de ces 3 vêtements et puis porter ça aujourd'hui. Quand j'ai touché ces vêtements, Dieu m'a dit de porter ça. Mais tu trouveras dans la salle quelqu'un qui sera habillé aux mêmes couleurs que toi.
entre 1h et 2h, et je prie ça à genoux. Quand je suis arrivé ici, il était la première personne qui est venue là-bas. Il s'est mis à genoux. Il a embrassé mes jambes. Qui avait vu? Dieu m'a dit, c'est lui. C'est lui. Cet homme, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. J'aimerais te le dire aujourd'hui. Ta vie est tellement précieuse. Ta vie est tellement précieuse et ton avenir est glorieux. L'Éternel me dit de te dire ceci. Nous sommes au mois de mars, le 30 mars aujourd'hui. On me donne 5 mois. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas compter avec moi. Avril, mai, juin, juillet, août. Je vois clairement même la date. Je vois, on m'écrit le 5 août. Je ne sais pas ce que Dieu va te donner. Mais le 5 août, il y aura un grand miracle qui va te conduire à témoigner deux fois. Deux fois. En cette année 2024, Dieu lui a donné des témoignages. Et Dieu me dit, il a été combattu, combattu comme pas possible. Il a été trahi comme pas possible. Négligé et rejeté, même dans sa propre famille. Le Seigneur me dit, c'est parce qu'il a en lui une grande destinée. Quand je venais là-bas, j'ai vu qu'il avait la matière précieuse dans ses mains. Je prie et je déclare, Dieu t'a oint et t'a choisi pour la délivrance de ta famille. Ne doute rien. Ne doute pas, n'hésite pas. Tu rentres à la maison, tu vas écrire cette date. Oh, j'entends dans mes oreilles confirmation, confirmation, confirmation trois fois. Écris cette date et prends mon numéro, écris à côté. Quand on arrivera à cette date, tu appelleras pour témoigner. Garde jalousement ce que tu as. Je prophétise encore. Il y aura beaucoup de pièges sur ton chemin. Il y aura des femmes qu'on va t'envoyer. Il y aura des hommes qui viendront pour te faire du mal. Mais Dieu ne permettra pas que la traîtrise, la jalousie, la haine des hommes puisse stopper ta course. Ton identité va se révéler au monde et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu entres en contact avec l'onction. Tu entres en contact avec l'onction. Cette onction va t'impacter. Alléluia. Cette onction va t'impacter. Cette onction va t'impacter. Cette onction va t'impacter. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie change. Que ta vie change. Ta vie ne restera plus jamais la même. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton ministère soit grand. Que ta vie soit grande. Que tes exploits donnent le monde. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Yonani, tika, 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 tika. Coco. Coco. Coco, tika. Coco, tika. Protocole. Batu bazo linga yote. Protocole. Tika. Coco, tika. Batu bazo linga yote. Coco, tika. Coco, tika. Batu nyoso zo vanda na bango. Pour la plupart, ce sont des hypocrites. Coco, des hypocrites. Les hôtels des forts. Le tabernacle ancestral qui réclame. Nous sommes en abaissé. Mais il y a pas mal de bananes. Mais ils ont changé couleur. Les ça va fou le fou. On me parlait même d'un poison. Mais les gens qui battent en mais à fond. Mais na ouais, na bimise na cerquey. Ça va dire que moi je suis à la fois que tout le monde.
il faut que tu me dises na bibise na cercueil akobonga te na nzela ya matambo etali ba mistela ya lesa mais ba tout est sangai entrepreneuriat. C'est une femme que je vois, son nom est sur la liste des femmes d'affaires. A Bengama, a voyagé, a Kendeko Somba, a Yakoteka, a Kendeko Somba, a Yakoteka. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Et c'est pour cela que tu es combattu. Tu n'es pas en paix. Même dans le Yalibala, Makamu Yalibala, je vois l'instabilité. Beaucoup de combats, beaucoup de combats. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois. Reçois. Oh. Cette femme est bénie. Cette femme est bénie. Cher Saint-Esprit, souffle maintenant. Ta vie change. Il y a la main de Dieu qui te touche. Toute alliance de famille est brisée. Écoutez. Alléluia. Tout ce qu'on a imposé sur ton corps. Alléluia. Je presse Kabacha. Na komi awa. Bazobe mangai na quartier oyo. Ba frère o bazali awa. Bato baza awa. Nazo ka mungongo na zambe zobe mangai na litoi oyo. Ici, mon frère, je te vois, toi. Est-ce que tu peux avancer? Avance. Donne-moi tes mains. Ok. D'accord. Pendant que tu étais là, tu me comprends bien? Très bien. Pendant que tu étais là, j'ai vu qu'on t'a donné une canne entre tes mains. Tu connais la canne? Le petit bâton là qu'on avait donné à Moïse. Canne. Tu vois ce petit bâton là entre tes mains. Et l'Esprit du Seigneur me dit, prophète Paulin, ne regarde pas ce qu'il est. C'est un berger. On me dit c'est un berger. Dieu va te confier une grande responsabilité. La gestion, c'est entre tes mains. Et pendant que je prophétise, je vois que tu es en train de marcher. Mais il y avait beaucoup de brebis derrière toi. Et toi, tu conduisais devant. Retenez ce que je dis aujourd'hui. Makamunazolobao. Et ça, il y a futur, lointain. Ce sont des choses qui arriveront dans un futur plus proche. Zambazo confie une grande responsabilité. Ça commence avec un travail. Et ce travail, je vois le premier salaire qu'on te propose, moins de 200 000 francs CFA. Moins de 200 000 francs CFA. Je vois 160 000 francs CFA. Mais on me dit que c'est son salaire. Il commence par là, mais je vois 3 mois après, et il avait même besoin de douter, de ne pas accepter le travail. Mais je vois quelques 3 mois après, on a décidé que c'est lui qui doit gérer tout le personnel, l'endroit et tout. Dieu me dit, c'est en cela qu'il a donné entre tes mains une canne, parce que tu seras un berger. Partout où tu passeras, tu vas trouver grâce et faveur, tu vas diriger, tu seras responsable. Retenez ça, reçois cette prophétie. Entre en contact avec l'onction. Entre en contact avec l'onction. Entre en contact avec l'onction. Résistance. Résistance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Je... Ton habit sale tombé. Ton habit sale va tomber. Dieu va te toucher. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Sois qualifié. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de quelques femmes stériles mariées, mais tu ne parviens pas à concevoir. Batouba comme c'est Gaïo. Et ça, là, passe douleur dans mon thème. Dieu m'a dit de dire à toutes ces femmes que c'est Kawana et Sili Nabouina. Zambe Oya Pesa Anna Samuel, Azo Pesa Baswana Bana Lelo. Je prie pour toi aujourd'hui. Je pars. Je te laisse 9 mois et tu nous appelles pour témoigner. Je dis, je prie pour toi. Je rentre natike lio 9 mois pour que tu nous appelles. Ah wa pona kokati sala musikata. Même si tu nous appelles pour bénir l'enfant, je reviendrai et tu témoigneras ces jours-là. Si tu es dans la salle, monte ici. Oui. Baluka ki mabota, yo se sa mabota, kumama ya wenanga, kumama, kolo Yesu. Baluka ki mabota, yo pesa mabota kumama ya Yahweh nanga kumama Jésus kolo Yesu kumama ya baluka ki mabota yo pesa mabota kumama ya Yahweh nanga kumama Yahweh kolo Yesu kumama ya baluka ki mabota yo pesa mabota kumama ya Yahweh nanga kumama Yahweh Yesu kumama Yahweh zwa maboko na yo prend le demain chana libo si toi aussi ezaka na yo demain uzana ndeko na yo atana problème wana atao za mobali atao za mwasi. Pendant que nous sommes pour nous, nous sommes là que la prière est localisée pour toi. Maman, tu peux avancer. J'ai vu que tu as la foi. Oui, pour ta soeur. Mais le reste, les autres, si tu as ta soeur ou bien quelqu'un, nous sommes là qu'à place aux Zawan. Est-ce que vous avez la foi? Oh. Papa, j'ai besoin de la mélodie, l'effort. Yahweh kumama na yo mama Yahweh kumama na yo mama Yahweh kumama na yo Mama, yo, 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 mama, yo
Je suis en train de voir cet homme à côté du drapeau de votre nation. Et quand je vois le drapeau, Dieu me dit, il va bénir ce grand homme, pas dans le commerce, pas dans le business. Est-ce que tu comprends? Son élévation, sa bénédiction est liée avec la destinée de la nation. Reste fidèle. Saisis les opportunités. Pendant ce temps-là, tu vas rouler carrosse. Pendant ce temps-là, tu n'auras pas de problème de parcelle. Pendant ce temps-là, tu n'auras pas de problème de manger ni de boire. Parce que Dieu va tout mettre à ta disposition. Mais ta bénédiction passera par le canal de quelqu'un d'autre. Quand je suis entré, j'étais vu en train d'adorer. Et Dieu m'a dit comme ça. Cette personne que je suis en train de voir ici, il est dans les domaines, c'est quelqu'un qui est... Je vois les drapeaux. Dieu me dit, c'est un agent de l'État. Il sera béni, pas par un homme, mais par Dieu. Il va servir l'État. Oh là là. Mais malheureusement, je ne peux pas donner tous les détails. Hein? Ceux qui comprennent peuvent comprendre. Oui. Son élévation est grande. Parce qu'il est intègre. Il est un homme intègre. Il est droit, il est juste. Et Dieu va l'élever. Ainsi dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bon, je vous dis la vérité. La sagesse de la prophétie ne m'a pas obligé d'entrer en détail de ce message. Mais sinon, ce message est profond. Ce message est grand. Ce message est bénissant. Mais par la sagesse de la prophétie, Dieu ne me demande pas d'entrer en détail. Mais le résumé que j'ai donné, je vais demander au Saint-Esprit
d'interpréter, de t'expliquer deux choses. Dieu t'enverra cette personne dans ta vie si la personne n'est pas encore dans ta vie. Dieu va l'envoyer. Mais Dieu me dit, c'est quelqu'un qui est déjà sur ton chemin. Donc, la personne ne viendra pas, mais la personne est déjà sur ton chemin. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est lié à une saison. Oh Seigneur Jésus, c'est lié à une saison. À la piscine de Bethesda, je ne sais pas si vous allez comprendre ma façon de prophétiser et de communiquer mon message. Il y avait un homme qui a fait 38 ans. Il y avait la piscine qui guérissait. Mais il y a un homme qui est venu. Il a dit à l'homme de 38 ans de ne pas s'inquiéter et de ne plus passer par la piscine. Il lui a dit, c'est ton tour. C'est ton tour maintenant. Tu as vu les autres être guéris. Tu t'inquiétais parce que toi tu es écarté. Mais aujourd'hui c'est ton tour. Et il lui a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. C'était son tour. La personne qui sera bénie, la personne auprès de qui Dieu t'a placé, ça c'est son message. Que c'est son tour. C'est son tour. C'est son tour. Zambé azo kotisaye. Na place oyo mutu moko ta tikala kokota na famille na bango mubimba uta famille ebanda zambe akocha ye place wana. Ainsi lokola yo kozala pembeni na ye vie na yo mubimba ekobonga na zinga zinga ya bato. C'est ça le message que j'ai reçu pour toi et que Dieu te bénisse abondamment. Mais si on était en privé, j'allais te dévoiler beaucoup de choses avec beaucoup de détails. Si on était en privé, nous deux, j'allais te dire beaucoup de choses. Je vois même les noms de la personne maintenant pendant que je parle. Mais malheureusement, je ne peux pas donner son nom. Je le vois même habillé en tenue militaire. J'ai donné des signes pour que tu comprennes s'il s'agit de qui. Je crois que tu as compris. Donc c'est lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je laisse la place au prophète Marcus. Il va aussi prophétiser. Quand il finit, il peut faire quelques services. J'ai déjà prié pour les femmes stériles. Je veux prier pour tout celui qui a un problème de finances. Maboko et Kauka. Ozo bunda na mikolo yo jamais. Dieu m'a dit na simba kaka maboko na yo. Tokota en contact na yo na onction. Et après, moi je vais traverser. L'heure n'a qu'à traverser Nakei, toi tu vas témoigner. Je vais non seulement prier pour tes mains, je vais aussi prier pour ton téléphone. Parce que ce téléphone que tu détiens là, ce téléphone-là sera délivré. Ce qui est en bas appelle Kota Kakunate et Kokota. Donne-moi un amen vivant. Pendant que toi tu souffres ici, il y a des hommes que toi tu as aidés
des hommes qui te connaissent, mais qui ont de l'argent, seulement ils ne pensent pas à toi, ils ne se souviennent pas de toi, alors que dans le passé, tu les as aidés. Le lo bango pe ba koma na position ya bozui, mais diable a kanga mitema na bango ba ki pe yote. Ce qui va lier sa bango en voûtement, le lo en voûtement wana ifo ekweya. Mususu ba bosa na yo, le lo na butu ce qui ba lali zamba ko permettre ba lo te yo ata na ndoto. Ils vont rêver de toi. Et le matin, ils se réveillent. Il prend directement son téléphone pour t'appeler. T'appeler pas pour te voir, t'appeler pour te bénir, t'appeler pour te faire du bien. Alléluia. Kolo Yesu mama Yahweh namba. Oh, Kolo Yesu mama Yahweh. Baluka ki finance yo pesa bambongo kumama ya we nanga kumama we Kolo Yesu kumama ya baluka ki voyage yo pesa voyage kumama ya yawe nanga kumama we Kolo Yesu kumama ya we kumama na yo kumama ya we Mama ya, 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 mama Recevons le prophète Marquis pendant qu'il monte, acclamons très fort le Seigneur. Recevons l'homme de Dieu, acclamons très fort. Alléluia! Aujourd'hui, tu seras localisé. Ce qui est simité, Togolala. Non, on va partir bientôt là. Mais j'aimerais dire, mon côté, après avoir prié pour le blocage financier, j'ai prié pour tous les célibataires. Chaque Adam a son Boaz. L'Éternel a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, une manière de dire, Dieu est contre les célibats. Sambalinga kelo ko na te célibat. Alibi, il n'est pas bon. Le contraire de il n'est pas bon, donc il est mauvais d'être célibataire. Est-ce que tu comprends? Quand on te dit il n'est pas bon que tu sois célibataire, le contraire, donc, en d'autres termes, ça signifie il est mauvais d'être célibataire. Ce n'est pas normal d'être célibataire. Ce n'est pas bien d'être célibataire. Je chasse l'esprit du célibat dans ta famille. Au nom de
Recevons les prophètes. Tombola maboko likolo. Loba na nzambe maloba mibale lisusu. Ewuta na motema na yo. Et bien c'est Seigneur. Parle-moi. Lobe langage. La Bible dit, du temps de David, il y a une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de Dieu. L'Éternel lui dira, c'est à cause de Saoul. Ce moment ici, c'est un moment où il y a cause, il y a bitumba na yo. Cause. Cause. Tu as besoin de savoir la cause. Tu peux chercher la délivrance, mais si tu ne connais pas la cause de ton problème, ça te serait difficile de vaincre l'ennemi. L'ennemi que tu ne connais pas est plus fort parce que tu ne le connais pas. Alors là, tu vas connaître ce qui te dérange et surtout la cause de tes problèmes. Yébi Sanzambe, parle-moi. Betama boko to sambel na kombo de soumasi. Dieu qui t'ouvre maintenant les yeux. Si comme Samuel, tu l'appelles par son nom. Le Dieu de Paul est là. J'attendrai comme jamais. Sur moi, je suis disposé. Alléluia. Pendant que tu es au bon de là, le Seigneur est en train de me parler de notre maman qui est en train de dormir. T'es Nassima. Ok. Zambazo bisangana bisayo bonde la makasi. Pendant que gumbi mutuna se nazo mata awa, je suis en train de voir zungu moko a monene, mais nazo mona ngona porte yanda kuna yo. Mais pendant que nazo lobawa, nazo kanza mbazo bisangai sambila makasi. Parce que namoni mu pepe ya maladie ekoti. Namoni maladie bandi ko memona bo pito. Nazo mona même pendant que nazo lobawa ke uchi ko traverser mwa moko ba maladie. Mais yo kas konza mbazo bisangai tele mo bonde la nanu. Parce que na zomo na même pendant que ozo kenda ka ba hôpital côté na zomo na yo en communication na ndeko moko ali botana na yo pour na expliquer ba problème na yo mais nzamba zo bisangai banda ko verrouiller vino à partir ya lelo parce que nzungu na zomo ne zanano moko biloko ba loni ko uta mi la famille na yo parce que bazana kacha ko réclamer yo mutu yo zo solo la naye ona zomo na o na kotanga ko mbotepo okutana na prophète nzamba zo bisangana bisa yo sambela nanu. Tombe la vie à discrétion parce que yende bazo utilisé pour nous avoir information na yo. Nazo kanza mbazo bisanga telema na vie à prière. Mupe pa maladie na zomo na penza tant na zobo de la cercueil moko a mwana moke. Nazo kanza mbazo bisanga bondela parce que maladie ko longwa likolo no ekitil ko la bana pena moni après sacrifice et salami. Mais Seigneur a bisanga na prière au salami au sali lelo. Zamba longo liango. Même pendant que nazo lobawa na zomo na nzungu wane zo baluka. Na moni zo zika na moto na nzambe. Mais Seigneur a bisanga na bisayo. Zonga lisusu nanu na losambo makasi parce que na zomo na 2018-2019 na moni ozalaki na prière mais na zomo na pe prière ya jeune mais na zoka nzamba zo bisanga na prière wana ezana ba engagement ozwaka honorate. Seigneur azo bisanga zongela ba engagement la pakanda iliboso na nzambe oyo yebisaka nzambe soka saleli oyo kosala kola ibisinga rappelle-toi de ça zongela nzambe na moni nzamba fongolelo ba porte tango na zo sakola likolo na ye nzamba zo memanga awa. Maman nzamba zo bisanga na bisayo bondi la makasi parce que na moni nzamba zo talisanga pendant que tozo prier na moni batu bazo kota ndenge ba yaka kopesa dot comme le jour ya mariage na moni pendant cette fête
pendant que fête est salama namoni mvule bandiko beta biloko bandiko pola namoni biloko nyoso poli bato babimi na humiliation bazo bim bazo regretter nazoka nzamba zo bisangaye telemo sambila makasi ozaki muto bika stabilité bandakala mais nazomo na chaque fois porte moko efungwa makia bénédiction nazomo na ba porte ezo kangama seigneur azo bisangana biso obondela pourquoi parce que nazoka nzamba zo bananga na na poko alelo avant bima mosala nzamba sambila likolo na yo parce que namoni nzamba zo talisanga ko utamela na nu penza libota na yo oza mutu moko batelemisa ki penda ba sacrifier pona nini tangu ngana sobo nazoka nzamba zo talisanga oza na nu mutu moko ba pesa ki courage makasi na misala maboko namoni boko do bandiko pambola namoni na nzela commerce bandeko mata mais pendant que na loba namoni ko kwe bandiko ya namoni perdre oza la kinango kaka na nzela commerce wana namoni mu pepa et bandi Hollande yo Seigneur azo ebisa paksida mona na ba menace Hollande yo et bitumba famille pourquoi ozaki kana humiliation fallait même pas yo na sena moya ozo stabilité ni na nzela libala mais Seigneur azo ebisa na prière osali na pokwao afongole lio ba porte mais pendant que na zo bondela na zo kanza mbazo ebisa nga mosala nzamba bondela pona yo na zo tuna nzambe pourquoi kola zo bisanga parce que ko utamela kokola na yo na zo mona likamuna nupene ko kene mboka mais na zo mona likama mboka oyo ezaki likamba kobongisa makambo ya famille mais na zo mona kata makambo ya famille oyo na famille ya bo mama na bino na zo mona tango bazo sala ba ceremonie pe bazo pesa biloko babande ko pesa bisika na zo mona mboka na zo kanza mbeko tali sangani fi na yo ezala ki representer nde pa bitumbo zo zo na ba blocage mais na pokwao nzamba zo bisanga na ebisa yo prière osali nzamba yo kyango na zo mona pandake na zo bondela ao moni hotel moko ya sacrifice ya makazi famille na yo na moli kambwa baliwa na katali bota menza mbazo bisangayo bo bondela esilite ezali susu na baliwa ezali boso oyo wape ko brisquer famille men kola zo bisangana nzela prière liwa wane longwe pe na zo mona nzamba restaurer vie na yo message na ngezo suka wana te na zo mona nzamba zo talisanga pandaka tozo bondela na moni bazozwa ba nini comment on appelle ça ba vitre yo ba manette ya pembe wana hein ouais ba vitre claire wana na moni bazolati swango seigneur azo bisanga na ibisa yo sambela mengi ezana maladie moko ya kipona ko détruire yo nzamba longoli yango na oki nzambe ko bisanga alongoli yango pa guérir yo mais nazo ka nkolo azo bisanga sambela makasi parce que libosona tozo kendao nazo mona ba honorer yo penza na moni le même fête mvule bande ko bota na moni fête wana okoti na moni mvule betite na moni bato bazo sepela pe na moni oke ofandi na kiti moko liboso ya bato na oki nzamba azo bisanga avant que ane oyesila tu témoigneras la main de Dieu okozala honorer nazo sangola pona papa na biso ko pusana liboso tobetele so maboko makasi Côté les mamans place au comiwana. Pour ça, nzamba pambola. Merci. Pendant que tu as abondé la papa, nzamba zo bisanga na ebisa papa abondé la mingi. Donc nzamba zo senga likambu ya prière et les mapenza. Donc nzamba zo bisanga injustice. Pendant que nazo tuna nzambe injustice, kola zo bisanga aza mutu abiki injustice. Parce que namoni nzambe kota lisanga ba dossier misatu. Mais namoni ba dossier onions ezaki na kombo na ye. Mais nazomona pendant que bazo présenter ba dossier nazomona loboko moko ezoya e bandi ko marquer ba dossier oyo rouge tangwa simbi ango na moni ba dossier ko ina mai nazoka nzamba zo bisangaye abiki injustice ya mukili oyo zo bike za vie na yote parce que na moni ba porte se fungwa maki tu ne devrais pas avoir cette vie mais na oki nzamba zo bisangaye a partir ya prière osali lelo abandi ko restaurer vie na yo mais nazoka nzamba zo lobanangaye a cause ya bolamu moko osala nde yango na moni nzambe na nwa so répondre yo parce que na moni nzambe ko tali sangana kata libota na moni yoko zo mwana moko en charge na kata famille mais na zoka nzamba zo bisanga eza cause loko sala ki wana nde nzamba zo fongola lola restaurer bo moyi na yo mais tango na pri ao na zoka nzamba zo bisanga sala penza moko ya prière ya 3 jours na semaine to zo banda ya lendi na zo mona prière ko ezala compagnie na jeune na moni nzambe ko fongola lo ba porte ebele na moni nzambe ko matisa yo penza bisika moko bato bazala na moni bato nyonso batikali na se na moni pesa ordre liboso ya bato na tuni nzambe seigneur azo bisanga ya une benediction o nzambe azo restaurer na nzela na yo mais benediction ko fongwa financièrement pe ko fongwa na stabilité
Mais na yokinza mbalo binanga panda ke tozobondela une prière ya protection et salam parce que na moni nzambe ko tali sangai likambo ko samba na moni oliboso a tribunal na moni ozo samba Seigneur na zoka nzamba so ebisangai likambo ya tribunal oyo tele mo sambela makasi parce que na moni renyo moko ko salam na mondi ya molili mais renyo oyo ezo salama entre famille na yo na famille yo kenda kobala les deux familles na monde des ténèbres na moni likambo renyo mais renyo na zoke za pona ko déstabiliser bo moyi na yo nzamba zo ebisanga a partir ya ndengo zo bimao prière ya 3 jours oyo o tele manango makasi pe mosali na nzambe aloba maloba na oki nzamba zo ebisanga o se soumettre na so autorité maloba bakoloba na zo mona restauration salami na moni nzamba zongisele yo oyo bungisa pe na moni nzambe ko pesa yo victoire liboso ba tribunal oyo pe na moni vraiment nzamba zo komelanga victoire liboso ya ba tribunal oyo na moni nzambe ko talisa ngai victoire mais na zo ka nzamba victoire oyo e ko banda kaka na nzela ya 3 journées ya prière oyo to betele so maboko makasi ozo pusa na mosala nzamba bondila ozo pusa na déclarer le corona andake na zo bondila awo na zo ka nzamba zo talisa ngai likolo ya papa papa chelo boko boy papa ko telema te ye ye kaka mutaota la au luka baninga ezaka ye ka ye to betele so maboko nzamba zo bisanga na bisa yo bondila osambela mingi likambo ya prière etelema na bomoyi na yo na zo ka nzamba zo bisanga ozala ki mutu moko fala ki o kende musika na vie mais na zo mona lisol na zo mona na kati ya libota nzamba zo tali sanga bazwa ki décision moko yo yebate décision o ezala ki ya kokomisa yo chef de famille mais na zo ka nzamba zo bisanga décision ya kokomisa yo chef ya libota nde décision oyo ememeli yo bitumbo zo bunda nzamba zo bisanga na bisa yo il faut basambela pona yo likambo ya prière moko ya kokaba yo epana nzambe parce que cette famille bakende ko kabayo o servir bango comme un chef na ndenga mulili mais na yo ki nzambe ko bisanga baza ko landa nde moko étoile na yo parce que za ki mutu munene mais na yo ki nzamba zo bisanga ko regretter te o perdre le côté restauration ko salama na bomo ina yo pe nzamba ko fongolelo ba porte mais kola zo bisanga ka tant to zo prier awo o tele mapenza mingi na o etali likambo ya prudence parce que na zo mona likambo bokonzi all et landa yo penza na liwa moko ya mbala kata ya maladie et seigneur zo bisanga la kanga bia prophétie na zo pesa yo maladie nyo so ko tele mana période oyo ti ando esila ko kene l'hôpital te luka mosala nzamba sambela pona yo parce que na yo ki nzamba zo bisanga ba che maladie moko mais na zo mona maladie oyo ko memo na opération ya hernie mais na zo mona opération memo na liwa et seigneur zo bisanga pona ke na zo bonde lao deja bande ko sentir ba douleur na se ya ba ventre na yo et nzamba zo bisanga ba douleur wana et sa moko eloko ba préparer pona opération kaka nde na zo lobao seigneur zo bisanga ndenge pe ba zo bonde la pona yo douleur wana zo sila yaka ba sambela pona yo yaka ba sambela pona yo viens on va prier pour toi to betele so maboko makasi ndaka na zo sakola zamba zo tali sangai papa pole na zo bonde la pona yo na zo ka nzamba zo lobelanga likambo ba douleur mais opération ya hernie nde zo lobama pe na zo mona likambo li wako landa na sima na zo ka nzamba zo tali sangai kolo ndeko ma sœur tombola loboko ah tombola ke jete oko telema kolo pambola yo tangu to zo bondela zo bisangai na bisa yo makasi na moni nzamba zo senga na yo likambo ya prière na yo ki pandaka to zo bondela wa nzamba zo bisanga likambo ya voyage na moni zo déplacer au voyager mais na moni oke musika te na moni ka na Afrika o oke yo zongi mais na zo mona tango zo sala voyage o nzamba zo tali sanga la ki penza moko ya voyage o yo zo sala ngo pona ko kende ko sombe le côté mais na zo mona za voyage moko ya visite na zo mona zo kende na visite a prozongi ça va nzamba zo nazonge pana yo nazange pande ko wana nazonge pano nzamba zo bisanga osambela osala déplacement moko te na période oyo ti anesila parce que nazomo na déplacement wana eza déplacement moko ya yo kokuta na mutu mais nazomo na nzambe ko talisa ngai na nzela mutu wana na monyo zongi malade
na kupesa détail pa prophète. Mais quand azo bisanga sambila, ça la très attention. Parce que pendant que to bondelia, na moni nzambe kotali sanga porte moko ifungwami. Na moni ozo sepela, olobinza mba pambolinga. Mais tangu nazo landela, nazo mona mutu azo ko solola nayo, nazo mona mutu na kati ya loge. Mais nazo mona ya azo epana yo, nazo kanza mbazo bisanga, ozo considérant comme une bénédiction, mais ça piège. Et nzambazo bisanga ça la très attention. Et ko zala li pambolite za piège, mutu azana loge. Mais nazo mona mba pendant que to nazo ba ao, likambo ya mutu ko banda ko s'approcher nayo e banda déjà. Mais quand nous avons sambela, ça la très attention. Parce que les cambol, nous avons monné ou melate me melayoliwa. Nous avons sango bondela. Une prière et salam, l'icolo ya étoile na yo. Mais nous avons zambazo lobao, aux amout, moko zamba bengio pambolama. Mais nous avons zambazo bisanga, ça la penza très attention, na ou étali ba réunion de famille. Parce que na moni ba sangi sibino na libota, na moni yo okei. Mais mouta soigne ka yo. Mais nous avons tango zobi ma place au bande ko soana, obimi, mais nous avons na yo, ozobi manama na ma papate na makolo. Zambazo bisangai ça la très attention parce que nazo mona ba ko réunir bino na katsa libota nazo mona pe ko sangisa bino e ko za la likambo ya ko luka ko zongisa bolingo na katsa famille parce que nazo mona famille na yo za ko panzana nazo mona penza boyoka nyezate mais nazo mona mutu moko azo zo décision mais na décision ko sangisa bino nde biska nazo mona likamba sacrifice zo salama ko lazo bisangai réunion nyonso ko salama yo o se présenter te parce que ta nazo lo wao na moni famille na bino e divisé na trois parties. Trois parties. Une partie basi mibale na mobali moko. Namoni deux parties basi basi. Nzambazo bisanga bosambela makasi. Likambo ya division all. Ozo s'inquiéter mbala mususu pona nini famille tozo yokana te. Kola zo bisanga kozanga koyokana all. Ezana nokwa likambo ya butu. Eza makamba moite. Eza ba guerre ya butu nde memi séparation na ndenge ya moyi. Ndo moni famille eza kopanzana. Tobetele suma boko tosambe. Pandake tozo bondela nazoka nzambazo bisanga tosala prière ona yo. Tout ça la prière on a eu. Tout ça la prière on a eu. Yoka prière ou bien. Yoka prière ou bien. Et quoi ça la prière au salaté bando botama. Prière, requête non. Non, parce que malam sous dépôt sambe la nano sambe la moitié. Salangonang longo. Yebi sans zambé. Seigneur, donne-moi une bonne fin. Batuna basa la prière on a tombé la musabi. Non, on a sala ngote tombé la luboko. Koka sonité. Non, on a sala prière ote tombé la luboko koka sonité. Bo yo muto sala ngo d'une manière ou d'une autre. To sala ngo nande na lobelate. Profite au sala ngo. Si on senga nzambe libala. Mais on senga mbé musala nzamba pesa yo témoigna. Maintenant on senga nzambe te ke veiller likolo ya suite ya musala. Na bima ni humiliation te. C'est la prière. Tambe ya Paulin, pesanga une bonne fin. Na mariage ya bana nanga pesanga une bonne fin. Na sena moya wa pesanga une bonne fin. Na kufa lokola mama na bisoté. Na suka lokola papa na bisoté. Pasteur, serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, présent ces lieux. Senga nzambe une bonne fin na ministère na yo. Omoni ba homme de Dieu mususu lelo ozo atant ko critiquer. Ndenge nini ya komi bongo aye bagate. Ke ba ko réclamer ba lokola nzambe na kati na ye. Bame maye na katia mukili. Senga nzambe ine bonne fin. Yo ye baka ko divorce yo. Tawzaka na libala. Ozo tambola na rav 4. Uyebi yo mtina olubele uyebi. Na libala no zaki na rav 4. Ozo yeba. Yo mna zolbe lo zomi yeba. Uyeba ke ko divorce yo. Uyeba ka. Ta la place komi lelo. Sa la prière. Ozo bi sa nzambe. Pe sanga ine bonne fin. Na sena moyawa. Na suka bien. Batu ba bala ba zombo na famina nga ba suka bien te. Sa la prière oyo. Te bondeli na kombo de somase. Toke na prière. Donne-moi une bonne fin, Seigneur. La soga prière, yo, et son matate, Matissa.